Wesh, l'équipe, ça dit quoi? Ça dit quoi ici? Bon, je trouve pour ma première vidéo. Et ma première vidéo, c'est un vlog. Parce que j'adore les vlogs. Voilà, y a pas plus de raison que ça en vrai. Mais on n'est pas dans n'importe quel endroit. Parce que oui, je suis pas dans ma maison. Ouais, ma maison, le toit, c'est pas une bâche. J'ai un minimum de respect quoi. Mais on est sur un terrain d'un pote. Et du coup, on est bien quoi. Là, on est bien. Mais du coup, qu'est-ce que je vais faire pendant ce vlog? En fait, je vais tout vous expliquer. De base, j'avais fait un vlog toute la semaine. J'ai filmé toute la semaine et tout. Et au montage, je me suis rendu compte que c'était nul à chier, frère. C'était nul. Du coup, vu que voilà, moi je travaille la semaine. Et je pense que c'est pour ça, parce qu'on n'a pas pu faire grand chose non plus, tu vois. Du coup, là, j'ai décidé de faire quoi? De refaire un vlog, mais que le week-end. Vu que je travaille pas tout ça, on va pouvoir faire plus d'activités. Je vais vous montrer un peu aussi ma vie le week-end. Voilà, qu'est-ce que je fais tout ça. Alors, je vous rassure, je n'ai pas du tout de me réveiller. De base, je devais filmer quand je me réveillais. Le problème, c'est que j'ai oublié en fait. Mais du coup, là, pour l'instant, vous allez voir un peu ma journée, tu vois. Et demain, vous allez voir tout en intégralité. Du coup, ben, demain sera dimanche. Vous allez voir tout en intégralité de mon réveil à mon coucher. Et d'ailleurs, ben, ça sonnera à la fin du vlog et ça sortira certainement le week-end prochain. Parce que certainement, prends toute la semaine à faire le montage, quoi. Je vais me boire une Red Bull. Je suis surexcité comme une pute. Red Bull. Payez-moi s'il vous plaît. Ouais. N'hésitez pas non plus à rejoindre mon Twitter et mon TikTok, tout ça, c'est en description. Voilà, TikTok, ils ont des petites actus. Et Twitter, bah faut que j'en crée en fait. Et voilà, quoi, on peut commencer le vlog. Let's go! Déjà, ici, les gars, pour commencer, on est des sportifs, ok? Et les sportifs, ça fait quoi? Ça court. Moi, je vais courir. Je vais vous montrer ma routine sport. Et vous allez voir, vous allez être choqués de fou. Non, en fait, je rigolais. J'ai clairement pas une tête à faire du sport, les gars. J'ai d'autres choses à faire dans ma vie que du sport. Comme voilà les gars, j'ai plein de choses à faire dans ma vie, mais en tout cas. Déjà, faut savoir qu'à 16h, il y a un match de mon club préféré, Lyon. Il y a Lyon qui joue à 16h à peu près. Donc on ira voir le match. Tout simplement, je regarderai le match avec vous. Vous verrez si on gagne ou on perd. J'ai oublié le nom de l'équipe. Parce que c'est une équipe nulle. Du coup, enfin c'est une équipe belge. De leur pays ou du Pays-Bas. Enfin bref, peu importe, le nom est impossible à prononcer. Mais surtout là, en fait, c'est la petite intro, tu vois. Là, il est midi, un truc dans le genre. Donc au bout d'un moment, je vais rentrer pour manger. Là, faut j'attends que ma maman me fasse à manger, en fait, parce que j'ai 16 ans. Donc je vis encore chez mes parents. Et du coup, ce qu'on va faire, là, on va un peu explorer les alentours. C'est, moi, je connais, tu vois, mais vous, vous connaissez pas. Du coup, on va explorer les alentours du terrain. Parce que dans pas longtemps, il y aura une vidéo spéciale sur ce terrain et ce serait cool genre qu'on meurt pas. Donc on va aller explorer tout ça et c'est parti, let's go. Bon déjà les gars, faut savoir qu'en fait le terrain c'est juste un giga chemin, genre vraiment c'est un giga chemin pour y aller, un chemin avec lequel on peut pratiquement jamais atteindre avec un véhicule, donc c'est que de la marche, tu vois. Mais le truc c'est que le terrain aussi en fait il est en libre accès, genre il n'y a pas de barrière ou des trucs dans le genre. Voilà, on explore les alentours. Déjà, il y a full forêt. Ah, moi j'aime bien, mais genre vraiment, c'est aberrant à quel point c'est dans un coin paumé et tout. Oh sa mère! Oh putain, j'espère que vous avez entendu. Oh putain, ça m'a surpris de fou là. C'est parce que c'était où est-ce le bruit? Déjà, là. C'est un terrain, genre vraiment on s'en branle, et après c'est un cul-de-sac, ça je sais. Voilà, en fait, je vous fais visiter tout. Du coup, c'était juste un cul-de-sac là. Mais le bruit, frère, j'espère que vous avez entendu. J'espère que mon téléphone a capté ce bruit, parce que vraiment, c'était aberrant quoi. Et là-bas, on visitera quand on partira du terrain. Là pour l'instant, moi j'ai encore un peu de temps, tu vois, tranquille. Je sais pas ce qu'on va faire sur le terrain. On va vite trouver, vous inquiétez pas. Les gars, je pense qu'on va rentrer à la maison. Pourquoi? Parce que déjà, il y a deux vidéos qui sont sorties des youtubeurs que j'adore. Justplay, je sais pas si vous connaissez, je pense pas. Et Jelsi, ça vous êtes obligé de connaître par contre. Du coup, je pense qu'on va rentrer. De toute façon, soit on revient tout à l'heure, soit on revient demain ici. Mais tout à l'heure, de toute façon, on va ressortir dans mon village. Vraiment explorer, essayer d'explorer et tout. Pour vous, tu vois, et même pour moi, découvrir peut-être des endroits que j'ai jamais vus, ça m'étonnerait parce que je me balade à peu près tous les jours. Les gars, ça part. On reviendrait ici très bientôt, soit tout à l'heure, soit demain, comme j'ai dit.
Et de toute façon, bah, cet endroit, si vous allez suivre la chaîne, vous allez le revoir très, très, très rapidement. Et souvent aussi, c'est, voilà, ouais, c'est un endroit de fou. Du coup, là, je vais peut-être arrêter de filmer parce qu'il y a des gens sur les terrains et tout. On se reprend après, les gars. Voilà, du coup, là, les gars, j'étais clairement en train de regarder les vidéos et tout. Et voilà, j'ai kiffé, les gars. Les gars, la vue est nulle, mais j'en suis là, voilà. C'est ouais, moi aussi, je joue à Pokémon, les gars. Je suis un peu le meilleur, quoi. C'est un peu le meilleur sur ce jeu. J'y avais jamais joué. Oh là là. Ah, ça me fait bander. Et vous savez quoi? Pour le beau jeu, là, je sauvegarde. Je vais sauvegarder encore plus près, en fait. On va tenter cette nuit. Je le veux shiny. Je sais pas combien de temps ça va me prendre. Mais on va le faire, les gars. On va le faire. Je vais l'avoir shiny. Vous êtes prêts? C'est parti, on m'a accéléré. J'ai raté un truc ou... Ah merde, il fallait se mettre encore plus proche. Vraiment, là, je touche les couilles, mec. Voilà. Bon vieux fail. Oh là là. C'est lent. Je suis en accéléré. Bon, les gars. Pour ceux qui connaissent pas le but de ce que je fais, le shiny en gros c'est quand le Pokémon est d'une différente couleur, tu vois. Et du coup, bah voilà, il y a un taux de shiny, je crois que c'est de 8000, un truc dans le genre. Une chance sur 8000, quelque chose. Ah, et j'ai envie de dire ça, comme ça, j'ai toujours voulu l'avoir shiny, cet enculé est trop beau, shiny. Voilà, je vous mets une image maintenant. Et du coup, bah, j'ai envie de l'avoir, tu vois. Sauf que, comme je vous ai parlé de Josplay tout à l'heure, lui aussi il l'a fait, tu vois. Sauf que lui. Le truc, c'est que vraiment il a pris 10 000, un truc dans le genre. Et c'est long, hein, 10 000. Là, je peux passer tout mon week-end sur ça, vraiment. Hein. Juste à faire des resets sans jamais jouer au jeu. Et tant que je l'ai pas shiny, on continue pas le jeu, ok. J'ai mis une petite vidéo à côté de JC, là, sa nouvelle vidéo. Voilà, on est tranquillement, je vois, en train de faire des petits resets, tout ça. J'ai hésité à mettre le live. Problème avec le live, c'est que. En fait, j'ai pas assez de connexion pour live, genre j'ai essayé et tout, et ça marche pas pour l'instant. Du coup, il va falloir attendre que j'ai une nouvelle connexion, finalement un truc mieux. Enfin, on peut attendre là, des heures et des heures, des jours même, juste à vouloir l'avoir shiny, cet enculé. Voilà, c'est juste échange de couleurs, hein, rien de spécial. Mais vu que je suis un fils de pute, j'ai envie de l'avoir. Voilà. Là, y a pas de soucis. Ce dont j'ai peur, par contre, c'est de reset. Pendant qu'il est shiny, parce que là c'est juste un automatisme, hein. Je regarde vite fait, je vois qu'il est pas reset le swipe, tu vois. Mais imaginez, il est raciste. Putain, je suis trop con. Juste imaginez, il est shiny et je reset. Ça serait un désastre monstrueux, surtout si je mets tout le week-end, genre. Si je mets juste tout le week-end et tout. Là je sais que ce soir, quand je vais me coucher, je vais rejouer juste pour faire un max de reset pour pouvoir l'avoir shiny, les gars. Juste pour vos beaux yeux, vous vous rendez compte de ce que je peux faire pour une vidéo. Pas mal d'accélérer pour le temps que je fasse les reset. Et des fois on parlera ensemble. Alors ensemble, voilà, le temps que je dois faire ça, de toute façon, je pense que voilà, j'ai le temps, tu vois. Ce serait cool qu'on ait ma réaction en face, ce serait stylé, tu vois. Si on l'a pas, je m'en branle. Mais vraiment, ça va être long, quoi. Bon, j'ai pas encore mangé, il est 13h37, j'ai commencé à 13h30, donc en vrai, voilà. Je compte pas le nombre de resets parce que j'ai trop la flemme. Mais quand je vais voir le nombre d'heures que j'ai mis pour l'avoir, je pense que je vais douiller, quoi. Bah, du coup, je reprends un peu après. Voilà. Allez. Les gars, je viens de regarder parce qu'en fait, ça se trouve, OO était Shiny Lock. Shiny Lock, ça veut dire qu'on peut pas l'avoir en Shiny, quoi. Et en fait, non, c'est bon. On peut l'avoir en Shiny. En vrai, l'animation, elle est longue de fou. Même en accéléré, elle est d'une longueur. Parce qu'en fait, sur l'émulateur, en fait, on peut accélérer le jeu, mais genre vraiment, c'est super long. Hein. L'animation est quand même assez longue et c'est chiant de fou. Genre, je pense après manger, c'est là, je pense, que je vais bientôt manger, tu vois, bientôt 14h. Après manger, je continuerai peut-être une petite heure, tu vois. Après, il y a moyen, on retourne au terrain pour faire, je sais pas ce qu'on va faire, mais on va le faire en tout cas. Et puis voilà, hein, on fait une petite vie, tout ça. À 16h, il y a match, du coup, on doit être rentré pour 16h, quoi. On doit être rentré pour 16h pour regarder le match de Lyon.
Et après le match, bah, je pense que je vais refaire un petit reset, tu vois, mais très vite fait tout. Et après, je sais pas du tout ce qu'on va faire, mais on va le faire en tout cas. Et voilà, hein. Ça va être une petite journée tranquille, Lolo. Mais parce que je sais qu'aujourd'hui, il va faire une chaleur à crever de fou. Donc en vrai, je sais pas trop si je vais vraiment rester longtemps au terrain, tu vois. S'il fait trop chaud, bah, je vais rentrer, c'est normal. Puis je pense qu'après avoir fait des resets, si ce soir j'ai toujours pas au haut et tout, je pense, je sais pas, je vais faire peut-être 1h30, 2h de reset, tu vois. Et après, je vais commencer le montage de cette vidéo, comme ça sortira peut-être dans la semaine en fait. Peut-être dans la semaine tout ça. De toute façon, vous serez prévenus sur TikTok. Vraiment, allez voir quoi. Vraiment, allez voir sur TikTok. Et quand je pourrai, bah, on va live. On va faire tout ça en live. Hein. On va faire ça en live et tout. Et vraiment, vraiment, j'ai hâte. Quoi. C'est vraiment le live. Ça va être un truc de fou. J'aimerais trop live. Mais ma connexion, elle permet pas trop et tout. Puis je voudrais régler deux choses. J'ai commencé à parler anglais carrément. Je voudrais régler deux, trois choses avant de commencer à live. Et puis après, on va faire du live, mon pote. Du live sur Twitch, évidemment. Pas sur YouTube, mais sur Twitch. On va faire du live et puis après, bah, ça sera parti quoi. Du coup, tant qu'on est là à parler pendant que je fais mes risettes et tout ça, on va parler un peu de la chaîne parce que j'espère que avant demain je l'aurai, le chani quand même, parce que tu vois, j'ai pas assez à faire non plus. Quoi. Mais du coup, parlons un peu de la chaîne, qu'est-ce qui va se passer sur cette chaîne. Il va y avoir beaucoup de vlogs parce que. Ah, il va y avoir beaucoup de vlogs parce que en vrai. Moi, c'est vraiment le contenu que j'adore regarder sur YouTube et tout, les vlogs de fou, tu vois. Parce que bah, je vais les mettre à ma sauce, quoi. Moyen, il y a aussi voilà, peut-être du jeu vidéo, ça je sais pas trop en fait. Faudrait que je vois. Ou alors des replays de mes lives. Puis voilà, quoi. Ça va être très basique. Je pense des vidéos face cam de base, genre juste comme ça assis. Il n'y en aura pas tant que ça. C'est pas un truc que j'aime trop regarder. Il faudra peut-être un ou deux sur. Genre pour revenir sur mon parcours, genre tous les 6 mois ou tous les 1 an, tu vois. Enfin, je pense que je vais faire un truc dans le genre. Du coup, les gars, avant de retourner faire du shiny hunting ou aller au terrain, je vais faire une petite sieste là sur mon truc, mais sur un arbre et tout là. C'est stylé de fou. Voilà, je vais faire une petite sieste, puis on se revoit après. Pour les refs, on a contre-jour là. Et bon, en fait, j'ai décidé de bouger. C'est vrai, j'avais envie, frère, il faisait trop beau tout ça. On va découvrir des choses ensemble. Mais ça m'étonnerait parce que je connais déjà tout. Voilà quoi. Là, il y a des arroseurs automatiques, je suis trop peur de me faire mouiller comme un con. Vas-y, je vous reprends après du coup. Bon, les gars, je me suis pas pris l'arrosage automatique dans la gueule. C'est déjà une bonne chose. Et là, on arrive à un choix, tu vois. Il y a un chemin. Là, j'arrive sur un chemin. Normalement, c'est un genre de carrefour, tu vois. Où il y a 4 chemins à emprunter et j'en prends toujours qu'un seul. Et là, je me dis, il y en a 2 que j'ai pas encore exploré. Il y en a un, je sais même pas s'il est privé ou pas. Mais il est tentant quand même. Je sais pas où il amène et tout. Donc là, je me dis hein, que pourquoi pas finalement. Belek, pourquoi pas. Parce que là, j'arrive. Là, j'y suis. Il y a clairement 3 chemins qu'on peut emprunter. Donc. On va devoir faire un choix. Il y en a un, je sais où il mène, c'est pour ça que je le prends pas. Donc, il y a le chemin classique qu'on peut prendre. Je tout le temps pris en fait. Tu vois, ça m'allonge de fou. Ça fait pratiquement 1 heure de marche et tout, tu vois. Ce chemin-là et tout. J'aurais pu le prendre et prendre la facilité. Mais ici, sur cette chaîne YouTube, aucune facilité ne va être prise. On va prendre ce chemin-là. Je sais pas où il mène. Je sais même pas s'il est privé. Mais on va le prendre. Ensemble. Je pense pas qu'il soit privé. Ou alors s'il est privé, dans la merde. Mais ici sur cette chaîne, on va le voir. On va très vite le voir. Mais je pense que c'est pas un chemin privé. Parce qu'en fait, tout simplement, normalement, un chemin privé. Bah en fait, il y a écrit privé. Ah oui. Non mais du coup, un chemin privé, c'est écrit privé normalement. Et là, il n'y avait rien d'écrit. Hein. Mais j'avoue que ça ressemble vachement à un chemin que personne n'emprunte. Genre. À tout moment, j'arrive sur un truc. Je ne sais même pas si j'ai le droit.
très vite savoir. Hein. En fait, les gars, ça fait bader de fou. Là où je suis, du coup, il n'y a aucun vent, rien. Et vraiment, j'ai l'impression, genre, le monde est en pause. Les éoliennes ne tournent pas, il n'y a personne. Vraiment, je suis tout seul dans le monde là. Ça, c'est qu'une impression. Parce que sinon, il y a un problème. Bon, les gars, c'est officiel. On voit plus le chemin derrière moi. J'aime pas où je vais. Il y avait là les moucherons. Putain, qu'est-ce qu'on ferait pas pour la vidéo? Sérieux. Les gars, demain, j'ai une idée. Je sais pas si je vais la faire. J'espère que j'aurai le courage de la faire. On va voir à quelle heure je me couche. En gros, j'avais pour idée de me lever plutôt large, plutôt, tu vois. Genre, je sais pas, 5-6 heures. Pour qu'on aille voir le lever du soleil. Genre un vrai lever, hein. Mais ça me ferait lever de large plutôt, par contre. C'est pas que j'ai la flemme. Mais j'ai une sacrée flemme, quand même. Du coup, faut que je vois ça. Et si je le fais, bah putain. Il y a de la chance. Oh, je crois que je vois où ça mène. Putain, en fait, c'est rien de privé du tout. C'est juste un chemin qui ramène à une route. Oh, mais non. Ça se trouve, c'est pas ça. Hein. Ça se trouve, ça tourne pile au moment où. Avant la route. Mais il me semble vraiment que c'est ça. Oh, si c'est ça, comment j'ai le seum. Oh, le giga seum que je vais avoir. Ça va être abusé. Par contre, il y a fou le moustique et tout. Là, depuis tout à l'heure, ça tourne dans mes oreilles et tout. Mais putain, oui. Ce chemin, frère. C'est le chemin de la mort, en fait. Vraiment. Là, j'arrive là-bas, il y a le chétan. Non, c'est trop, j'arrive sur une route, en fait. Oh non, c'est privé. C'est privé, les gars, il y a une barrière. J'ai fait tout ça pour rien. C'est un oiseau. Les chaussures, elles ont foutu terre. Dans la chaussure, là. Ça me ramène à une route. Vous savez ce que ça fait de faire une chute maintenant? Je vais sur une route. Ouais, je sais où ça mène, c'est grave loin de mon village en plus. C'est pas grave loin, mais. Oh le giga seum! J'ai fait tout ça là! Putain! Oh le seum, frère! Tout le monde s'attendait à un truc de fou. Rien de fou en fait. J'ai chaud là, il fait chaud de fou. Demain il fait 36, les gars, je sais pas si je sors. Je sais pas si je sortirai moi, parce que 36. Ah oh, putain, j'ai le seum. Y'a pas un fils de pute qui aurait pu me dire qu'il y avait rien en fait. Oh là là. Vous savez, ça fait des semaines que je me tâte à le prendre en plus. Et je sais pas si je vous l'ai dit. Mais j'ai fait un vlog toute la semaine de base. Qui sortira pas parce qu'en fait j'aime pas trop comment ça rend. Et j'avais hésité à le prendre et je l'avais pas pris. Là je me suis dit on fait un vlog du week-end et tout. On va le prendre, va y avoir un truc de fou. Rien du tout, frère. Y'a rien. Ah, c'est trop nul. Bah, au moins, je le saurais, mais putain, le seum. Les gars, c'est trop chaud. J'ai combien de batteries, là? J'ai 32 de batterie. J'ai un iPhone. Tout moment, ça descend à 10 en 6 secondes. En vrai, giga seum, hein. Giga seum. Oh, j'en peux plus. Le week-end c'est censé se reposer, genre pour reprendre la semaine grave bien. Je vais pas reprendre la semaine grave bien. Si demain je me lève vraiment vers 5-6 heures, juste pour putain de lever de soleil. Je vais avoir le seum. De toute façon je me lève jamais tard le week-end, mais là 4-5 heures, c'est même pas l'heure à laquelle je me lève pour aller travailler. Donc. D'ailleurs je vous ai pas dit, et je filmais pas et tout, et genre j'ai arrivé... près de là où je suis parti en fait pour arriver ici en fait. Et j'arrive, je marche et tout. Un chien, il m'a fait peur, ce fils de pute. L'expérience de merde. Vraiment un truc nul là ce qui s'est passé. Du coup, ouais, je vous disais, il y avait un chien, frère. Je savais même pas qui c'était. J'ai été voir des oiseaux que je connaissais. Enfin, que je connaissais des connaissances quoi. Je leur dis, c'est votre chien et tout. Sinon, j'ai dû prendre un autre chemin, faire un giga détour pour arriver ici, pour prendre ce chemin. Au final, ça,
C'est donc ça ma vie. Oh la merde. Oh la giga. Merde frère. Et en plus c'est un tracteur qui arrive je crois. Et puis... Ah non c'est le train. Oh wesh le train d'un autre siècle là, carrément. Regardez-moi ce train frère. À ce niveau là c'est plus un train là. Le big train là qui transporte vers les choses. Ça doit être du blé ou un truc dans le genre. Ce vlog il me rappelle trop le vlog que j'ai fait en Normandie sur mon ancienne chaîne. Je vais faire un vlog en Normandie parce que je viens de là-bas. En vrai, il était bien ce vlog, il avait fait quoi, 70 vues, un truc dans le genre. C'est la troisième vidéo qui a le plus marché sur ma chaîne. Là, c'est trop frère. Il y a moyen là, je retourne au terrain. Vraiment, il y a moyen j'y aille. Pour me poser ou pour je sais pas quoi faire. Mais j'y vais, je pense. Bon, les gars, faut là-bas. Bon, les gars. Le match est terminé depuis un petit 10 minutes. Je suis en train de continuer le Shinyan qui n'est plus là. J'ai regardé la vidéo de Josplay et en fait il a pas fait 10 000. Il a fait 35 000. 35 000 reset les gars. J'aurai pas la force, je pense. Non, je déconne, j'aurai la force. Ouais. Là j'optimise un max pour pas perdre de temps et tout. J'utilise des macros pour que ça aille plus vite et tout. Mais en vrai c'est chaud, c'est très très dur, j'ai l'impression que j'aurais l'arrivera jamais. J'ai jamais autant attendu un chaîne. Ouais. C'est la vie les gars, c'est la vie. C'est long quand même, c'est très très long et ça me casse presque les couilles. Pour vous dire, là il est 16h53, je pense vers 17h30 j'arrête. Voilà, ça fera un bon, je sais pas, 40-50 minutes peut-être, je sais pas. Après, je pense on va aller au terrain. Voir un peu les alentours et tout. Et après, on verra ce qui se passera. Mais au vu de la journée, n'était pas très productive. On va pas se mentir, à part tourner, j'ai pas fait grand-chose. Et puis voilà. Je continue un peu le shiny aussi. Non, la fatigue se fait ressentir fort. Il est 17h30 du coup. J'ai pas arrêté encore. En fait, c'est trop. Ça donne pas envie d'arrêter. Parce que tu te dis putain, mais peut-être au prochain reset. Peut-être au prochain reset. Et en fait, non. Parce que Oho, il a pas envie de venir. Ça fait vraiment 8 minutes que je suis en train de chanter pour lui, frère. Vraiment. Je suce la bite à Oho s'il faut, y a pas de souci. Bon, bref. Mais là, je commence vraiment. En fait, c'est pas fatigant, c'est juste trop. Enfin, c'est. Mes yeux, ils fatiguent. Pas déjà parce que je suis dans le noir, en fait. Parce que j'ai pas envie d'avoir un rideau vu qu'il fait chaud, tout ça, la chaleur vous connaissez, hein, je vais pas vous apprendre. Mais c'est juste. Voilà, ça fait 1h30 je suis là, pratiquement. Juste à faire ça, genre j'appuie sur 3 touches. Et il tombe pas, genre ça fait du coup 1h30 là, plus les 30 minutes de tout à l'heure, ça fait 2h en tout que je chasse le Oho frère. Imaginez, ça dure plus longtemps que le week-end. Je pense que. Si à la fin de ce vlog je l'ai toujours pas, bah j'aurais pas le Oho shiny. Hein. Je le prendrai pas. Je le prendrai en normal, mais pas en shiny. Non, parce que plus d'un week-end à avoir le Oho, s'il vous plaît, un peu de respect pour moi. Là, je commence à fatiguer. En plus, dans pas longtemps, je crois que je vais chez mes grands-parents. Ce soir, je mange barbecue. Donc, je pense qu'il y aura pas beaucoup de contenu sur le vlog, mais bon. On s'attrapera avec demain. Demain, je vais essayer de prévoir des choses et tout pour que ce soit amusant tout ça. La fatigue, mesdames et messieurs, se faire sentir à 17h32. C'est dur. C'est très dur. J'ai l'impression vraiment, ça fait 8 ans que je suis ici, quoi. Au bout d'un moment, on tombe enculé. Ouais, je pense à 17h45. J'arrête. On va faire mon mieux. Je vais faire mon mieux. Hein. Mais vraiment j'essaie d'aller au plus vite, de rester appuyé sur la touche, de reset le plus rapidement possible. Sans que je le skip quand il soit shiny, parce que s'il est shiny, je le skip. Et je vais pas refaire de reset. Hein. Là frère, en fait j'ai même pas envie de vous remettre en accéléré. Parce qu'il y en a eu tellement dans la vidéo genre de l'accélérer là que. Que voilà quoi, c'est pas ouf. Mais bon, peut-être je vais remettre un petit peu d'accéléré. En fait, j'aimerais bien avoir ma réaction vidéo juste pour voir ma réaction vidéo. Vraiment, je pense que là, si tu l'es,
je vais sauter une joie incroyable. Ça va être incroyable. En attendant, je suis fatigué. Donc, je sais pas trop si je continue beaucoup ou pas. Pour l'instant, 17h45, je crois que je vais arrêter, mais. En fait, c'est un peu chiant. Genre, c'est juste la même chose. Sans qu'il tombe. Sans qu'il tombe, frère. Là, vraiment, j'ai l'impression. Dans une vidéo Pokémon, carrément. Là, je suis plus dans un vlog, en fait. Je suis en train de faire une vidéo Pokémon, limite. On est mort. Alors, je pense, là, je vais essayer de faire ma chambre, quand même. Voir la lumière du jour. Peut-être. Hein. C'est à 1h30 à juste faire ça. J'ai regardé une vidéo d'une heure, puis une vidéo de 30 minutes en plus. Voilà, c'est cool, ça m'occupe, mais. C'est long. C'est vraiment long. Vraiment, j'en ai marre. Peut-être je vais changer de Pokémon en premier. Voilà, c'est trop. C'est trop, il met pas Voltorb, enfin Electrode. Et ça se trouve, voilà, il va mieux aimer Nidoking. Non, ça change rien. J'adore le concept. C'est cool, les gars. Ça va être long. Je pense, ouais, je pense là, je vais arrêter. Puis je vais sortir. Allez, je vous tiens au courant. Bon, les gars, enfin, sorti de ma chambre. J'ai continué jusqu'à 18h05, frère. Rien. Pas de shiny. Là, je suis tranquille. Je me suis remis au terrain et tout. Là, je suis devant l'eau, frère. Là, je suis bien, tu vois. Je suis en train de sortir un TikTok pour annoncer. Parce que j'avais dit dans un TikTok que j'annoncerais la vidéo quand je fais le tournage et tout. Et je l'ai fait. J'ai fait le tournage. Donc, je suis en train de tourner, quoi. Juste, j'ai posté un TikTok disant « Ouais, les gars, du coup, le tournage, je fais un vlog pendant un week-end et tout. » Voilà, ceux qui regardent ce vlog via le TikTok, vous êtes des vrais. Vous êtes des bons, des vrais, des tout ce que vous voulez. Vous êtes. Voilà quoi. Je vous fais l'amour, il n'y a pas de souci. Et comme vous avez vu dans le rush d'avant où j'étais dans ma chambre et tout, déjà je faisais des shiny, donc c'est pas. J'étais pas à la meilleure forme, tu vois. Ça faisait déjà une heure et maintenant ça doit faire quoi. J'ai dû faire deux heures, tu vois. Du coup j'en avais marre. Et aussi parce que bah, en regardant le match de Lyon, en fait, ils se sont pris 5-0. 5-0, frère, j'étais en train de canner, on a mis l'équipe B en même temps, donc ça rassure un peu, tu vois, mais voilà quoi, ça retombe dans ces vieux démons, moi, ça me fout le seum là. Mais bon, on va pas se décourager, les gars. Bon, la Ligue 1, on sent la troisième place, peut-être. Voilà, si on pouvait jouer au moins une compète d'Europe, ça serait cool. Voilà, pas la Conférence League, s'il vous plaît, pas la Conférence League, mais voilà, je sais pas, la Ligue Europa, c'est déjà bien, tu vois. Ouais, si on joue la Ligue des Champions, là je suis la casette. La casette, si tu vois cette vidéo. Mes devs sont ouverts. En vrai, les gars, là, je suis posé, je suis bien et tout. En plus, là, du coup, c'est long, il n'y a plus de soleil, plus rien. Je suis grave bien. Cette première journée, c'était pas la plus productive du monde, j'avoue. Demain, il fait 36. Enfin, c'est ce qu'ils annoncent, en tout cas. Mais, vas-y, on va quand même venir ici, je pense. Ramener un ballon, un truc dans le genre et tout. Je vais vous montrer mes skills. Parce que je suis trop bon, je suis trop fort. Attendez, les gars, je suis en train de douter de fou. C'est le fait que j'ai ramené un fruit shoot ici. Et je sais même pas si je l'ai fini, je sais plus. J'ai oublié carrément tellement j'étais vénère de fou là. De une, pas avoir chopé le chamu. Et de deux, d'avoir perdu contre. J'aime pas le nom. Mais il y avait le numéro 2 dans leur équipe déjà. Donc bon. En même temps, quand t'alignes. Et voir comme ce qui a été aligné, voilà quoi. Ah oui, je l'ai vu. Putain, j'avais complètement zappé, je l'avais vu. Bon, les gars, il est temps de faire un genre de room tour de cette petite cabane où je suis depuis que je tourne en fait. Et cette cabane, moi je l'ai vu se construire, les gars, parce que avant, ce terrain appartenait à d'autres personnes que des amis de mes parents. Il appartenait à des amis, au père de l'ami de mon frère. Et cette cabane, c'est mon frère et ses potes qui ont rénové comme ils pouvaient, voilà, parce que bon, il avait mon âge, même plus jeune, tu vois. Et là, ça va être du room tour de qualité. Vous êtes prêts? C'est parti. Hop là, comme ça vous voyez plus ma grosse tête, bon là. Les gars, vous avez vu des poubelles? C'est pas ce que vous croyez, ok? Non, vous êtes prêts? Bah, frère, ils ont mis une bâche, ils sont trop forts. Là, c'est le petit coin, tu vois. Derrière cette cabane qui est juste là, tu vois, juste là. C'est là où on pisse et le reste, tu vois. Ici, je sais pas ce qu'on pourrait faire, mais je vais soumettre des idées pour de mes parents, parce que voilà, je les connais bien. Deux frigos, on sait jamais. Du bois pour faire du feu, parce qu'on sait jamais. Une poubelle, ça là.
parce qu'on sait jamais. Mais surtout, on a un barbecue à disposition, des tréteaux. Là, c'est des planches pour les tréteaux. Encore des planches pour les tréteaux. Et ici, bon, on n'a jamais rien fait ici. Mais en vrai, cette cabane, c'est une dinguerie. Et c'est pas fini, les gars. Parce que ici, là, un genre de garage. Donc, si jamais j'ai un véhicule, parce que oui, dans pas longtemps, peut-être, j'aurai peut-être un véhicule. Et ça, je vous en ferai une vidéo aussi. Voilà, parce que tout est bon pour faire de la thune. Et après, on a tout ça, frère. D'où un plan d'eau où on peut se baigner. Bon, là, je crois que l'eau, mon ref, elle est un peu basse, tu vois. Mais en vrai, on a quand même un peu de fond. Bon, faut se baigner avec des vieilles chaussures, par contre, parce que sinon, t'es mort. Vraiment, tes pieds, ils s'écorchent comme de la merde. Et les gars, vous vous en doutez, si j'introduis ce beau terrain, c'est pas pour n'importe quelle raison, parce que déjà, vous allez le voir très souvent. Mais alors, très souvent, tant qu'il appartient à des gens que je connais, j'irai, parce que vraiment, je suis trop bien posé dedans et tout. Par contre, j'ai remarqué un truc, c'est que pendant que je vlog, vraiment, quand je suis debout, je peux pas m'empêcher de marcher. C'est comme quand je suis au téléphone, voilà, c'est énervé. Voilà, je vous partage ma vie. Mais parce qu'il y aura des vidéos, ici, là, frère. En fait, c'est un terrain vraiment qui me permet en plus de pas montrer ma maison. Et ça, c'est très bien. Vraiment, on peut faire tout. Hein. Là, frère, je pense demain, je vais vraiment ramener un ballon et faire des skills tout seul, tu vois. Il y a moyen maintenant mes entraînements de sport, parce que oui, je fais un entraînement de sport, même si ça doit pas, parce que on est un peu épais par ici. Mais je fais des entraînements justement pour maigrir. Et ici, je pense que ça va être une dinguerie. Puis, pour ma remise en forme pour le début de la saison de foot, et oui, parce que c'est très important, toujours être en forme pour le foot. Mais en vrai, c'est une dinguerie, même faire des soirées ici, c'est trop bien, tu vois. Et vraiment, la vidéo qui va arriver, faut que j'attende quelques trucs, que je règle quelques trucs. Et après, la vidéo qui arrivera, elle va être pépite. Mais vraiment, on peut faire tellement de choses ici. Déjà, rien que dans la cabane, les gars, c'est dingue. Juste cette cabane, c'est une dingue. Et pendant des années, en fait, j'ai cherché à retourner sur ce terrain. Mais c'était plus, mon frère était plus pote avec les gars. Du coup, bah, compliqué, tu vois. Compliqué de retourner sur une cabane. Dans une cabane où bah genre ça appartient à des personnes que je connais pas, tu vois. Et là, miracle, les gens, les potes de mes parents, ils récupèrent ce terrain là. Car en fait ils louaient à leur père. Bon bref, c'est un peu compliqué cette histoire. En gros, ils récupèrent ce terrain là. C'est le meilleur terrain qu'ils pouvaient récupérer, parce que vraiment tu pêches, tu te branles, tu fais ce que tu veux sur ce terrain, c'est abusé. Vraiment frère, il y a des chaises de partout, tu fais ce que tu veux frère sur ce terrain, tu fais ce que tu veux, tu veux faire un barbecue, il n'y a pas de souci, tu veux mettre des frigos, bon pour l'instant il n'y a rien, tu vois, parce qu'ils sont pas allumés les frigos, mais tu vois juste la dinguerie que c'est, le potentiel de ce terrain est immense, tu vois. Là on dirait que je suis un agent immobilier, j'essaie de vous le vendre, mais pas du tout. Vraiment c'est fou. J'adore, voilà, juste me pose au bord de l'eau. C'est une dinguerie, les gars, c'est une dinguerie. Bon, j'aurais bien allé dans l'eau, mais là, je peux te dire qu'elle est froide, quoi. Maman, j'ai essayé tout à l'heure, trop froide, beaucoup trop froide. Du coup, les gars, qu'est-ce qu'on va faire, là, à votre avis? On va aller continuer à explorer un peu plus loin. Ouais, je sais tout à l'heure. J'espère que vous avez entendu. Je sais toujours pas si vous l'avez entendu, mais j'espère que vous l'avez entendu. Du coup, là, on va explorer un peu plus loin et tout. Et là, quand il commence à bien faire nuit et tout, pas du tout, il est 19h, qu'est-ce que je raconte? Est-ce que vous y allez, vous? Bah moi oui. En fait, je suis déjà allé, tu vois. Mais une fois, et genre j'avais 8 ans. 8-10 ans, tu vois. Et j'y suis retourné encore une fois, il n'y a pas si longtemps que ça. Et genre, il n'y avait personne et tout. Hein. Vraiment, c'est abusé. Mais bon, normalement. Tu vois, là, c'est juste un petit repérage pour la vidéo qui se prépare. Et la vidéo qui se prépare, elle devrait tourner dans 2-3 semaines. Tu vois. Le temps que moi je suis en vacances et tout, dans 2-3 semaines, ouais. Tiens, regardez, frère, ce terrain. C'est juste du bois, frère. C'est pas normal d'avoir un terrain juste du bois. Enfin, je sais pas, moi j'ai un terrain aussi grand que ça, je mets pas juste du bois. Hein. J'y mets une maison, une cabane. Propriété privée. On va peut-être pas filmer. On continue. Du bois là, normalement. Terrain, il lui faut. Oh putain, j'avais dit j'allais pas filmer. Vraiment, j'ai dit j'allais pas filmer parce que c'est un terrain privé. Voilà, les gars, là-bas c'est un cul-de-sac. Parce que, en fait, il y a des escaliers là-bas. Et quand tu montes, genre après, tu regardes à droite, il y a écrit propriété privée. Tu regardes à gauche, il y a écrit propriété privée. Et au centre, c'est un grand champ avec du barbelé. Donc, on se doute qu'il faut pas y aller, quoi.
Voilà, maxi repérage la mer. Non mais là je sens bien là. La vidéo dans 3 semaines elle va être banger, hein, je vous le dis. En fait je sais pas si c'est dans 2 semaines ou 3 semaines. Mais elle va être banger, je vous le dis. Cette vidéo, ce vlog là, que je suis en train de tourner là, je vois ça comme un essai. Là, tranquillement je tourne. Et tous ceux qui regarderont, j'aurai besoin de vos avis, si vous êtes encore là, tu vois. J'aurai besoin de vos avis, tout simplement. En sachant que j'ai fait un TikTok pour que la vidéo soit un peu plus vue, pour des avis, comme ça, je m'améliore. Et le contenu devient mieux. Du coup, les vidéos seront mieux, tu vois. Vous avez capté ou pas? Il faut juste des avis et tout. Des avis sincères. Ça vient du cœur, tu vois. Si vous me dites c'est nul, dites pas juste c'est nul. Argumentez un minimum, quand même. Et pareil, si vous dites que c'est bien, tu vois, t'argumentes. Parce que sinon, c'est cool, c'est bien, mais qu'est-ce qui est bien, quoi? Parce que je sais que cette vidéo sera pas parfaite, hein. Loin de là. J'ai pas l'impression de faire mon premier vlog comme ça. Parfait, nickel. Même si j'ai déjà fait deux vlogs, mais voilà, c'était pas non plus le vlog incroyable, tu vois. En vrai, là-bas, il y a un petit cabanon. J'y suis jamais allé. On explore un peu, puis après, on va rentrer. Voilà, 19h. Peut-être prendre ma douche au bout d'un moment. Tout ça, quoi. Mais là, petit cabanon, je suis jamais allé. Je sais pas ce qu'il y a. Tout le moment, je découvre, il y a un corps, frère. Et je vais pas être bien. Du coup, là, je pense que je vais rentrer, je vais prendre ma douche. On va peut-être faire encore quelques shiny. Peut-être, hein. Je sais pas, peut-être je vais jouer à Fall Guys aussi. Il serait temps, tu vois. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué. En gros, c'est des trucs de jardin. Voilà, j'ai vu, c'est clairement des trucs de jardin. En vrai, ce terrain, la nuit, ça doit être juste super reposant. Oh, c'est ça, frère. Si ça, ça attend pas un Mac. Si ça attend pas un Mac, frère. Ah ouais, clairement. Ces deux arbres-là. Le papillon, frère. Le papillon du ciel. Et voilà, frère. C'est juste incroyable. Je vais voir si demain, je me baignerai pas dedans. Tu vois, comme ça... Bon, par contre, voilà, pour les pêcheurs, tout ça, je me fais piquer, frère. Pour les pêcheurs, voilà quoi, c'est pas bon, tout n'est pas bien, mais ça compte les trophées. Mais voilà, bon, pas à tout faire non plus. En sachant que ce soir, je fais un giga barbecue, tu vois. Il y a un giga barbecue avec les potes de mes parents et tout, donc je le filmerai pas, tu vois, parce qu'il y a des gens, ça veut pas être filmé, tu vois. Donc, il y a que moi, je veux pas que les gens soient identifiables non plus. Bon, bah, du coup, déjà, on va rentrer. Juste des affaires que des gens ont oublié. Et les gars, c'est parti, on se trouve à la maison. Bon, là, les gars, clairement, je fais des resets. J'en ai clairement marre de faire des resets et j'ai la flemme de vous mettre tous les rushs et tout. Du coup, bah voilà, je fais juste des resets, quoi. Ça va être l'heure des best kills. Donc là, quelque chose, mon gars. Mon pote, tu vas faire quoi? Ça, mon pote, ça c'est du footballeur du district. Je peux te le dire, mon gars. Ah, ça me fait pas rire. Je pèse des mecs tous les jours. Il n'y a pas de galère, mon pote. Tu vois ce ballon? Grosse barre, tu vas voir. Hop là, et tu sais, ça a touché, mais c'est parce que vous. C'est parce que t'as pas vu, je pense, parce que ça a... Si, ça a touché, mais... Ça a touché... Oh, t'as retouché, même. Non, en vrai, les gars, pour être plus sérieux... Ouais, ça m'a fait... Vous ne pas. Moi, ça m'a fait rire, mais en tombant, j'ai mal au coude. Voilà, vous avez pu voir que... Il y a que du muscle, hein. Ah, moi, je suis... Grave musclé et tout... Moi, je suis grave riche. Mais pas en argent. En matière Caras, mon pote, c'est ma petite séquence foot. Et peut-être qu'il y en a qui vont se demander quel poste je joue. Parce que oui, je joue, je suis défenseur central. Bon, les gars, il est temps d'arriver sur ma main émotion, car c'est la fin de ce vlog, car il n'y a pas grand chose d'autre à faire en vrai. Mais comme vous venez de voir cette séquence, le ridicule ne tue pas, les amis.
Vous pouvez mettre ce que vous voulez sur n'importe quel commentaire, les haineux, les tweetos, tout ça. Ça fera mal, certainement. Peu importe qui vous touchez, que ce soit dans la vraie vie ou pas. Que ce soit un obèse, un maigre, ou quelqu'un d'une autre ethnie, en fait. Arabe, noir, tout ça. Tous ceux que vous bannerez, ça leur fera mal, c'est sûr. Et il y en a qui vont se faire une carapace et qui auront plus mal, tout ça. Et moi, j'ai décidé d'en rire. Vu que j'ai été harcelé par rapport à ça. Par rapport à mon obésité. Même si je cherche à maigrir quand même, car je me sens pas tant bien que ça dans mon corps. Je préfère en rigoler plutôt que de pleurer à chaque fois qu'on me fait une insulte ou un truc dans le genre. Alors rigoler, la ridicule ne tue pas les enfants. Allez, c'est la fin de ce premier jour, le samedi 23. On se trouve demain pour beaucoup plus de choses. Allez, à demain les gars. Les gars, très rapidement, j'ai deux choses à dire. Voilà, j'ai dit que c'était la fin du jour. Hein. Mais j'ai deux choses à dire. Voilà, avant qu'on passe au jour 2 parce qu'il est 23h45. Déjà, pour commencer, le OO Shiny, je peux pas en fait. Voilà, s'il y a un problème, du coup, je peux pas faire le OO Shiny. Du coup, je vais devoir l'attraper en non-Shiny. Enfin, je suis désolé, je promets qu'à un moment, je vais faire un autre Shiny et tout. Et je vous posterai sur TikTok et tout. Deuxièmement, le deuxième jour, je vais pas pouvoir faire des trucs de fou. Enfin, ça va pas être un jour long. Voilà, je vais pouvoir faire des choses, mais ça va pas être un jour long. Puisqu'on a un souci dans la maison, on a une fuite d'eau et on doit casser une partie pour aller la réparer. Et du coup, ça va certainement me prendre toute la journée et tout, parce qu'on doit casser du béton. Et du coup, il y a le matin où je vais me lever, prendre mon petit déj, m'habiller, tout ça, ça vous verrez. Après, j'aide mes parents à tout faire. Et ensuite, j'irai sur le terrain, je pense, et on fera foot, tout ça, comme j'ai dit en fait. Et voilà, c'était deux nouvelles. Je suis désolé pour jour 2, c'était vraiment un imprévu de merde. Mais bon, je suis obligé d'aider. Parce que je suis pas un connard, en fait, j'ai envie d'aider mes parents. C'est tout. Puis voilà. Et là on me voit plus. Et là on me voit bonjour. Voilà. Donc là c'est officiellement la fin du jour 1. Désolé, le haut shiny n'existera pas. Je suis un peu dégoûté en fait parce que tous les résultats que j'ai fait, j'ai appris que ça servait à rien. Bon, c'est pas grave. Je vais les capturer comme ça et je vais faire la ligue et quand je serai à Kanto je ferai un nouveau shiny, je sais pas lequel mais je le ferai en tout cas. Les gars, je vous dis bonne nuit et à demain. Voilà, et si je trouve qu'il n'y a rien à faire demain parce que ça prend trop de temps, vous verrez à la fin de la vidéo de toute façon s'il y a un jour 2 ou pas. Bon, allez, à demain les gars. Les gars, il est 9h je crois, et je viens de me réveiller, vous me voyez pas, je suis crevé sa mère, je me suis endormi tard de ouf. On va commencer par se lever, je pense que je vais rester 10 minutes dans mon lit, puis après on va aller déjeuner. Ouais les gars, je déjeune, et après on bouge. Bon les gars, il est quoi 10h30 à peu près, je viens d'arriver au terrain et tout, là, comme vous pouvez le voir. Comme vous pouvez le voir aussi, j'ai emmené mon trépied, voilà, parce que je suis un mec intelligent, j'ai amené un ballon et j'ai amené un fruit shoot. Parce que au cas où si je le sois. Et là je pense qu'on est posé là pendant je sais pas une petite heure, peut-être une heure et demie, le temps que après j'aille aider mes parents comme je vous ai expliqué dans le rush d'hier. Et du coup je vous ai pas filmé quand je m'habillais parce que en fait, c'est vrai que. Après vous allez voir que j'ai un petit kiki. Non mais en vrai, ce matin, vous avez tout eu. Je me suis pas levé plus tôt du coup. Ouais, il était 9h et quelques. Hein. Voilà, donc ça va pas trop tard, pas trop tôt, comme on dit en Bretagne. Ça, il y a moyen, je me pose un peu au bord de l'eau. Et après, petit foot, tout seul parce que j'ai pas de potes. Je m'habille tranquillou, un dimanche quoi, un petit dimanche. J'ai pas au moins de faire d'habitude le dimanche, je m'habille pas. Et là pour vous, je me suis habillé. Voilà. On va l'escalier au bord de l'eau. Voilà, parler un peu, vous et moi, faire connaissance. Les gars, j'allais aller me poser au bord de l'eau. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé? Un vortex cassé, je pense. Je crois vraiment qu'il est cassé. Je sais pas s'il est cassé, mais maintenant il est à moi, frère. Ça sent l'amusement. Voilà, on va aller essayer cette merde. Les gars, je viens de regarder le rush. Vous avez rien vu du tout. C'était de la merde. En gros, c'était nul. Voilà, ça s'est cassé en fait. Ou alors c'est juste nul, je sais pas, j'ai pas à la maison. On sait jamais. On sait jamais, ça se trouve, voilà quoi.
Bon, on va aller se poser sur ce putain de là-bas. On va aller se poser là-bas. C'est cool, il y a personne qui passe, parce que là, je vais passer juste pour un fou, en fait. Je suis en merde. Petite chaise et tout. Bon, les gars, comme je vous ai dit hier, je suis un peu dégoûté. Parce que je peux pas avoir OO. Voilà, c'est la vie, hein. Mais j'ai le seum. J'ai quand même fait un bon, je pense, 4 heures de reset. Pour rien. Pour rien, je me suis couché tard hier. Pour ça, du coup, mais... Voilà. Même si je vous l'ai dit à 23h, après, je me suis préparé pour la ligue, tu vois. Puis là, faut encore que j'expère un peu. Et puis après, let's go to league. J'espère la finir avant. Avant de finir ce vlog. Et n'empêche... Qu'est-ce qu'on est bien là au bord de l'eau. Je vous jure que quand je serai chez moi, je pense que je vais rester dans ce coin-là. Il me faut un truc comme ça là au bord de l'eau. Où juste t'es bien, t'es tout seul, c'est ton truc à toi, tu vois. Pas un truc aussi grand. Je... Ouais, c'est un truc aussi grand, pas mal en fait. Mais là, je suis bien là. Je pense pas que je vais retrouver un terrain comme ça, mais t'es mal à vue, frère. Là, moi, je me mets là. Comment je suis bien, mais là, je vous fais de l'ASMR, là, carrément. Vous voyez, je suis pas parti en vacances, mais c'est comme si, là, je suis très, très bien. Là, la petite séquence détente, là, ça fait du bien. C'est en vrai, pendant ce vlog, genre, vraiment, on a bougé partout. On fait pas mal de choses. On était souvent sur le terrain, mais en vrai, on a bougé, on a marché et tout. Là, je fais que dès le matin... Que dès le matin, t'arrives, t'es là, t'es comme ça, je suis grave bien. Et ça me conforte dans l'idée que un jour, faut que je dorme ici. Hein. Là, tu te réveilles dès le matin, je sais pas à quelle heure, tu vois, quand il fait pas encore trop chaud, et tu t'assois là. En plus, là, j'ai une petite chaise trop bien. Tu t'assois là et tu bouges plus. Les gars, j'ai pas vu le temps passer tellement je suis bien là. Ça fait 40 minutes déjà, je suis... Je suis là, je suis assis frère, je scroll sur mon téléphone, je pose et tout. Il va falloir qu'on commence par les choses là. Allez, je vais remontrer mes skills au foot parce que je pense qu'il y en a qui n'ont pas bien vu. Peut-être que vous avez dit ouais, il est un peu mauvais et tout, non. Vous avez pas vu. Là les gars, vous allez voir le vrai joueur que je suis. Et d'ailleurs, vu que là je suis en plein truc sportif et tout, genre bien mettre et tout, si vous voulez que je vous filme ça. Pendant que je fais mon sport et tout, bah dites-le moi en commentaire et je vous ferai les gars. Là je vais vous montrer du skill, du vrai skill les gars. Déjà, je vais vous montrer les jongles. Parce que ça, je peux vous dire c'est un vrai truc hein. Meilleur jongle que toi Manny mec. Et ouais, on est meilleur que toi Manny ici. Meilleur jongle que lui, je peux vous dire. Parce qu'on n'a pas le même salaire pourtant, donc ouais, mais fais des jongles enculé. Fais des jongles. Maintenant. Il est l'heure de faire un move très périlleux. C'est un move que j'ai inventé, vous allez voir. Hop là, t'arrives comme ça, tranquille. Et un cul, comme ça. Et ça c'est du môme les gars, ça c'est du môme. Hein. Vous savez combien j'en ai enfumé des gens là avec ce move. Pour l'instant zéro, mais ça fait que 4 ans que je l'ai inventé, donc je pense que ça va arriver. Mon coach il m'a dit ça arrive. Putain, je m'étais pas rendu compte que vous étiez pas drôle, genre. Là, c'est mieux. Je vais vous montrer comment faire un bon gros tir en puissance. Là, vous voyez le ballon. Ça, c'est du tir, les gars. Ça, c'est du tir. Vous verrez jamais ça dans le monde du foot. Je vais juste vous le lancer, mais que pour vous. On est prêts. Allez les gars. Vous verrez jamais de tir comme ça, je vous le dis. C'est la fin de l'entraînement les gars. Vous n'aurez jamais de technique comme ça. Et j'ai pas eu touché plus de 28 essais pour faire le voisin extérieur à l'ancienne. Hein. Jamais. Je vais souffler à rien faire, c'est cool. C'est pas terminé les gars, c'est pas terminé. On va aller se remettre sur le frigo parce que toi vous étiez sur le frigo, c'était bien. Voilà, footballeur les gars. Le vrai de vrai, pas que dans le foot que j'ai des moves stylés. Dans le basket aussi, voilà, j'ai failli finir le basketteur pro. Comment montre ce move. On verra ça pour une prochaine fois les gars. Je suis beaucoup trop fort pour que vous voyez ça maintenant. Et ouais, je suis trop bon. Les gars, ce qu'on va faire, c'est une petite balade dans mon village.
vite fait tout ça. Après on rentre. Puis voilà. Donc on remballe tout ça. Let's go. Ouais les gars. Je viens de me poser là. C'est fini le béton, tout ça. C'est fini frère. Je suis retourné au terrain. Vous pouvez voir que je suis pas beaucoup chez moi quand même. Je suis beaucoup ici. C'est super reposant de fou. Je suis comme chez moi hein, des fois. Entre midi et deux. Et de 21h au matin, je suis chez moi. En vrai, je suis trop bien. Il n'y a aucun bruit. Rien. Mais en vrai, on est trop bien ici. Hein. J'ai pas ramené de ballon. J'ai ramené une bouteille d'eau par contre. Ça, c'est super intelligent de ma part. Franchement, personne n'y aurait pensé. Il y a de l'ombre. De base, il fait 35. Là, je pense qu'il doit faire 32, un truc dans le genre. Parce que bah, il y a du vent, de l'ombre et tout ça. Hein. Là, j'ai qu'une envie, c'est de dormir. D'ailleurs, je devais vous filmer un truc. Du coup, ça s'est pas fait. Enfin, j'ai pas filmé. Mais j'ai commandé une coque Rhinoshield, les gars. Bonne coque Rhinoshield, sa mère. Bonne coque des Chicago Bulls, parce que la mienne, là, elle est morte. Ça fait quoi un peu... Ça doit faire un an, en fait, que je l'ai. Ouais, sur mon téléphone, ça fait un an. Voilà, donc un an, et c'est mort. Enfin, on protège toujours, juste, il n'y a plus le truc derrière. Puis vu qu'elle est blanche, genre, on a l'impression à moisi sur le côté. Enfin, c'est trop moche. Du coup, j'ai pris une coque noire. Les gars, j'étais en train de mater une petite série, tranquille. Et j'étais en train de me dire, putain, que la solitude, c'est bien de fou, genre. Genre, à un niveau... J'arriverai pas à décrire à quel point c'est bien, mais... Genre, je crois qu'on a tous besoin d'une certaine solitude, en vrai. Voilà, je suis en train de faire le psy, c'est cool, je suis en train de faire le psy. Je crois qu'on a tous besoin d'une certaine solitude. Et étant passé de quelqu'un qui fréquentait beaucoup de gens à quelqu'un qui fréquente plus personne presque, à part les personnes essentielles qui m'ont été essentielles à ma vie, et ben en vrai, je préfère largement cette vie-là. Parce que la vie où il y avait beaucoup de gens, c'était cool, je rigolais bien, mais je suis quand même bien tout seul. Faire ce que je veux en fait, sans me soucier de ce que les autres pensent. C'est bien. Voilà, ça fait deux messages de bon vieux message de Noam quoi. Vraiment, en un vlog, il y en a eu deux. C'est cool quoi. On est psy, bah si on est psy, hein. Si t'as besoin de moi, appelez-moi au 08 98 etc. Vraiment, voilà, j'étais en train de mater ma petite série. Je pense que je vais continuer encore une petite heure. Puis après, on va peut-être à la maison, je sais pas, ça dépendra de ma batterie. Allez, j'ai trop chaud, les gars. J'ai trop chaud, ça merde. Les gars, c'est officiel, c'est la fin de ce vlog et c'est la fin de cette vidéo. Il n'y a pas eu beaucoup de rush ce jour-là. Bah, je vous avais expliqué de toute façon hier. Et là, bah, on finit. Là, c'est la fin du vlog. Moi, je vais dans mon jacuzzi. Puis voilà, en fait, ça va être carré. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, pouce bleu, tout ça. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Bye les gars.